Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, j'ai pas fait de story aujourd'hui. Incroyable frère, je me réveille à 7h du mat, bien et tout, chaud. C'est pas, je vois mon petit Carlin, le petit cercueil, il a un truc, il est figé comme as. Il bouge pas frère. Je commence à me dire, wesh, il a quoi frère? Je m'habille et tout, je regarde. C'est pas le chien, il avait, ça s'appelle l'œil de cerise. Il avait l'œil sorti comme ça frère. Ça peut arriver avec les tout petits chiens qui ont le museau écrasé. Moi, je fais, oh le bâtard, frérot. Je l'attrape. J'attends, frérot. 8h, 8h30. Les vétos, ils ouvrent. Je commence à appeler. Non, machin. J'en trouve un. Donc, je l'amène. Il était genre 9h du mat, tu vois. Je l'amène au véto et tout. La meuf, elle regarde. Elle fait, non, ça, c'est une urgence. Machin, il faut l'opérer, tu vois. Moi, je fais, oh putain. Frérot, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, faut aller à Paris. Île de, je sais pas quoi, là, à côté de l'île de la Cité. Et il y a une clinique. Maintenant, frérot, moi, elle me dit Paris. Je me dis, oh, frérot, je vais manger les embouteillages matinaux. J'ai mis 2 heures pour aller du 92 jusqu'à l'autre bout de Paris. J'arrive à la clinique. Frérot, bon, la meuf, elle regarde et tout. Elle dit, bon, voilà, si c'est un truc. Il garde le chien. Elle me dit, on va l'opérer et tout. Bon, moi, je rentre après. Je mets 2 heures pour revenir. J'arrive à la maison, ben, je déjeune et tout, elle m'appelle, elle me dit c'est bon, l'opération s'est bien passée, le chien il va bien, donc tant mieux, tu vois. Je reprends la voiture, je repars là-bas, frérot, j'ai mis 2h50 pour faire, c'est ridicule, 2h50. Et là, je me suis tapé Paris de plein fouet, frère, et je vais vous dire un truc de ouf. Tu sens que la ville, elle est atroce, frère. Des travaux, seigneur, partout. Des travaux partout, les gens ils sont à bout. Moi j'étais à bout, frérot. J'arrive, je récupère le chien. Bon, ça s'est bien passé, ils l'ont opéré. En fait, ils ont re-rentré l'œil. Donc là, ils l'ont cousu, il a des points. Et dans 15 jours, il faut retourner qu'ils enlèvent les points. Bref, tu connais, il a des antibiotiques et tout. Mais la meuf, elle m'a expliqué, la docteure, elle m'a expliqué que ça pouvait arriver spontanément chez ce genre de chien, tu vois. Après, moi je fais toujours en sorte de séparer. Putain, c'est quoi ça encore? C'est une mythe, frérot, une poussière. Je fais toujours en sorte de séparer, tu sais, les gros des petits quand ils dorment, tu vois. Et je me suis dit, j'ai flippé, je me suis dit, c'est un des gros, tu sais, ils ont chahuté, il lui a fait sortir l'œil, ça peut arriver, c'est des petits chiens fragiles, tu vois. En fait, comme bah, ils dorment pas ensemble, donc ça pouvait pas être ça. Et après, elle m'a dit, voilà, ça peut arriver spontanément. Ça fait flipper, frère, t'imagines, tu te réveilles, tu vois le chien, il a l'œil sorti, frère. Donc là, il va bien, frérot, il se repose. Et puis, il a la petite collerette qui doit le garder une semaine, un truc comme ça. Et du coup, le truc auquel j'avais jamais pensé, en fait, c'est d'assurer le chien. Enfin, c'est d'assurer mes chiens. Parce que c'est con, parce que quand tu regardes, tu vois, là, j'ai payé genre 2000 balles ou 2200 balles, je sais plus, pour l'opération, tu vois. Et au final, je me dis, c'est un truc de ouf, parce que, tu vois, les voitures sont assurées, les montres, elles sont assurées aussi. Et les armes, les gens savent pas, mais on assure nos armes aussi. Ah, frérot, quand t'as des AR-15 à 15 000 balles, tu l'assures, tu vois. C'est pas le truc, tu tires, il te pète en pleine gueule, tu l'as dans le fion, pas du tout. Et j'avais jamais pensé à assurer mes animaux, donc j'ai appelé un assureur dans les embouteillages parce que j'avais que ça à foutre. Il me prend 150 balles par mois pour les 5 chiens. Je trouve pas ça excessif. Et du coup voilà. Mais bon, après le principal c'est que le chien aille bien. Bon allez, moi je vais aller dîner la famille. Il est bientôt 23h, j'ai pas mangé, je suis mort. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que votre famille et vos amis ça va et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain la famille.